avec nous ce matin, quatre intervenants. Tout d'abord, Cédric Messina, co-président de French Tech Côte d'Azur Région Sud, mais également PDG de MyCoach. Arnaud Sioka, qui est le directeur général de Small Capital. Hugo Minguet, qui est ingénieur financier innovation à la Caisse d'épargne Côte d'Azur. Et David Bouquet, qui est le fondateur et le dirigeant de Winity. Première question peut-être pour Cédric Messina. Quel est aujourd'hui le panorama, quelles sont les difficultés de financement des startups en Côte d'Azur? Tu as le micro coupé, Cédric? Oui, on n'entend pas, Cédric. Cédric, il faudrait activer le micro. Je crois que ça allait se faire automatiquement, il n'y a pas de... Bon, en tout cas, merci de l'invitation et merci à la Tribune de se pencher sur une thématique qui est encore plus importante aujourd'hui avec ce qui est en train de se vivre au niveau du Covid. Je crois que l'avènement des startups aujourd'hui est hyper normé et le financement va avec. Et je crois qu'il y a le financement en direct en fonction de sur un plan national, donc on parle des 90 milliards, on parle, moi qui suis dans le sport, on parle des 9 millions alloués aux fédérations, et après il y a la problématique locale, et je crois qu'on va l'aborder tout le long du... Donc c'est assez complexe d'évoquer ça sans parler du local et du national, et souvent je crois que ça dessert d'ailleurs la plupart des startups où on évoque des montants astronomiques, et après sur le terrain, effectivement, on n'a pas le même ressenti. Je crois que d'abord, la première des choses, c'est de savoir quel est l'état de la Côte d'Azur en termes d'approche numérique. Il y a tout un écosystème à construire. Et je crois que c'est un débat qui est assez récurrent, c'est de se dire comment on arrive à exister et comment on arrive surtout à faire germer les entreprises numériques de demain. Et je crois que l'enjeu passe par un financement, mais aussi la compréhension de marché qui est en train de se structurer. Et je vois tous les jours, et je crois que les autres vont avoir le même avis, mais je vois tous les jours en fait un changement de paradigme des investisseurs qui aujourd'hui se focalisent sur quasi les leaders du marché. Donc il y a un filtrage nécessaire, il y a une pédagogie là-dessus, et se dire qu'une fois qu'il y a un marché ou une filière qui est structurée, il faut éviter que des startups y aillent parce qu'ils ne trouveront pas le financement nécessaire. Je crois qu'il y a un changement depuis quelques années où avec la crise ça va s'accentuer et il y a une volonté d'arrêter le saupoudrage et d'aller vers la scalabilité, c'est-à-dire de ce fameux passage de l'entreprise, de la création d'idées. On va passer de l'idée à produit, et maintenant, je crois que tous ensemble, on va essayer de parler de modèles économiques pérennes qui créent de l'emploi et qui surtout structurent l'économie de demain. Justement, vous évoquez cette période, ce cheminement dans la création de l'entreprise. Le trou dans la raquette, alors c'est une expression un peu galvaudée, mais le trou dans la raquette aujourd'hui, il est surtout sur le capital risque. Je voyais le baromètre EY qui a été publié il y a deux jours, où Provence-Alpes-Côte d'Azur recule à la cinquième place des régions sur le capital risque, alors au début de l'année, hein, sur la première partie de l'année. Il y a d'autres chiffres qui sont sortis hier, nationaux, qui parlent d'un été qui a plutôt été bon sur les levées de fonds. Mais en gros, et peut-être on peut avoir l'avis de David là-dessus avant d'avoir celui des investisseurs, mais aujourd'hui, le trou dans la raquette, il est vraiment sur le capital risque. En gros, comment combler ce manque? Qu'est-ce qu'il faut pour que, justement, les entreprises puissent croître, créer de l'emploi sur le territoire? David, la réponse. Oui, pardon. Vous m'entendez? Oui. Oui, merci. Je vous remercie également pour l'invitation. Je ne sais pas si j'ai la réponse à cette question, mais ce que je sais, c'est que je rejoins tout à fait ce que Cédric disait. Entre les annonces, les gros chiffres, etc., qu'on entend, et ce que nous, on voit, on perçoit directement en région, du moins, enfin, c'est pas tout à fait la même chose. Alors, si ça nous dessert ou pas, je ne sais pas trop, mais souvent, c'est vrai que quand on dit qu'on est à la tête d'une start-up, oh, mais c'est bon, il y a l'argent qui coule à flot. C'est pas tout à fait ce qui se passe dans la réalité du terrain avec toutes les startups qu'on voit autour. Mais ça, c'est juste voilà, mon retour par rapport à ça. Ce qui manque ou ce qui manque pas, en région, j'ai pas la réponse à ça. En revanche, ce que je sais, c'est que nous, par exemple, pour notre cas, et je sais que c'est le cas de beaucoup, on a dû partir de la région pour pouvoir aller trouver des financements. Parce que en région, c'était très vite bloqué à un certain niveau et à un niveau de prise de risque, de spécialité aussi, qui était défini. Après, c'était peut-être dû à notre activité aussi. J'ai pas du tout la prétention de connaître tous les domaines, mais c'est vrai que de par notre activité, on a dû aller sur Paris et aujourd'hui partir aux États-Unis, notamment pour trouver des financements plus importants avec des personnes qui sont plus early adopters que ce qu'on est en France actuellement. Et vous, ce qui manque, c'est quoi? C'est
des investisseurs qui prennent le risque de financer du capitalisme. Ça porte bien son nom, hein, c'est qu'à un moment donné, il faut parier sur peut-être une un peu plus poussée. Peut-être avoir l'avis de Arnaud Chocal là-dessus. Vous, vous investissez comment sur les startups? Vous les adressez comment? Alors, c'est vrai que le marché des startups est un marché complexe et particulier. La première question, c'est vrai que déjà, enfin, pour vous tous autour de la table, c'est quoi une startup? On parle de startup, c'est quoi une startup pour vous? Parce que dans notre jargon à nous, en tant qu'investisseurs, on a déjà différentes classifications dans le terme startup. Il y a des startups d'amorçage, donc des sociétés qui travaillent à un produit, un projet, un médicament, ce genre de choses, et qui n'ont pas de marché. Le marché n'existe pas. Il est à créer. Donc c'est vraiment en tout début de chaîne. Ensuite, on est sur des startups qui ont déjà un produit, qui sont sur un marché ou qui créent un produit concurrent, qui améliorent un produit existant. Là, on est quand même dans une deuxième étape. Donc finalement, le marché des startups, on le généralise, mais il est beaucoup plus vague, beaucoup plus vaste et large que ce qu'on entend. Donc, c'est vrai que j'entendais la remarque de David tout à l'heure qui disait qu'on communique beaucoup sur les chiffres des startups en donnant un sentiment que la levée de fonds est facile ou en tout cas les sommes d'argent sont significatives sur ces types de collectes. C'est vrai et faux. Donc, c'est vrai parce que les chiffres qui sont communiqués sont réels. Mais c'est faux de manière unitaire, comme David a pu le ressentir, parce que le nombre de startups est extrêmement élevé. Donc, la création de produits, le taux d'échec est significatif. On est autour de 90% en général hein, sur ce type d'investissement d'échec. Donc, le nombre de boîtes, le nombre de créations en France, comme ailleurs, sont grandes. Quand on fait un fonds hôtellerie, on est limité à la capacité à créer des hôtels par des permis de construire, par du foncier à acquérir, etc. Une start-up se fait en deux clics aujourd'hui sur Internet et commence à développer, à créer un marché. Il faut la matière grise, donc trouver deux, trois personnes qui ont une idée, de la motivation, une envie. Donc le nombre de sociétés à adresser est colossal par rapport à des entreprises plus traditionnelles qui sont un petit peu moins sur le numérique ou autre, qui sont limitées en capacité, en croissance à des taux différents. Donc, c'est vrai que ça reste difficile à apprécier. Moi, je pense que ce marché est adressé. Après, c'est un marché de spécialistes. Moi, en l'occurrence, à travers Smalt, on est une société de gestion, donc on n'est pas un fonds d'investissement. Donc, notre métier, c'est de trouver des investisseurs qui nous confient de l'argent, qu'on va ensuite investir sur des sociétés. Et les règles sont fixées par les investisseurs, ceux qui nous le confient. Nous, on est reconnus, quand on parle investisseur, on pense que ils sont chez Smalt, on y est effectivement, mais on investit l'argent des autres. Et quand ils nous le confient, on fixe des règles. Par exemple, dans des fonds traditionnels, aujourd'hui, la poche d'allocation allouée à des entreprises à risque, c'est comme ça qu'elles sont appelées parce qu'elles sont peu matures, est de 20%. Quand on lève un fonds de 50 millions traditionnel, on a 20% d'allocation à des entreprises de moins de 7 ans. Donc, on est fléché, qui ont moins de 7 ans, qui ne font pas ou peu de chiffre d'affaires, qui ont un marché à découvrir, etc. Donc, on a quand même une obligation d'adresser ce marché et de le faire vivre. Mais en même temps, nos investisseurs nous limitent à la somme qu'ils veulent allouer à ce niveau d'investissement. Si on parle de chiffres, je vous disais tout à l'heure, quand on regarde les portefeuilles des fonds qui font ça ou spécialisés là-dedans, on est sur un échec de 7 à 8 sociétés sur 10. Donc, on a 7-8 sociétés qui n'aboutissent pas à un produit. Alors, pas toujours parce que le produit est mauvais ou parce que le marché n'en veut pas, mais des fois parce que c'est trop long. Donc, on gère des fonds d'investissement qui ont une durée de vie hein, de 8 à 10 ans. Donc, ces sociétés-là sont consommatrices de trésorerie. Puis, des fois, au bout de 2, 3 ans, 4 ans, le niveau d'atteinte d'un produit sur le marché est trop incertain et on arrête en cours de route. Donc, ça stoppe. Des fois, c'est un échec plus rapide. On a une ou deux sociétés qui survivent paisiblement et généralement, il y a une pépite dans l'eau. Donc, bah, c'est des marchés à risque. Et si on veut qu'ils se développent, qu'ils continuent à se développer, effectivement, il faut arriver à convaincre des investisseurs à mettre de l'argent. Donc, pour les convaincre, il faut que la nature des sous-jacents des startups soit bon, il faut probablement que l'État aussi remette en place des mécanismes incitatifs pour flécher l'épargne des Français avec une forme de couverture. On parle de garantie aussi dans le plan de relance sur ce type d'investissement. Par le passé, on gérait des FIP, les fonds d'investissement de proximité,
qui sont très orientés capital développement, donc plutôt investissement traditionnel, et des FCPI, donc qui sont des fonds sur l'innovation, qui eux étaient fléchés à 100% sur ce qu'on peut appeler aujourd'hui des startups, plutôt dans la partie 2-3 de la startup et très rarement sur l'amorçage. Ces fonds-là ne se lèvent plus et n'existent quasiment plus aujourd'hui. Il n'y a plus de FCPI sur le marché. Les performances de ces FCPI ont tout simplement été mauvaises sur le marché en général. Donc les investisseurs ne souscrivaient plus ces véhicules-là. Donc ces véhicules se sont instinctivement éteints et n'existent plus. Nous, par exemple, on n'en lève plus depuis 4 ou 5 ans. D'autres ont continué un peu plus longtemps et le marché s'est fermé aujourd'hui. Donc le fruit du manque peut-être d'abondance et de moyens est aussi le résultat d'une dizaine d'années ou de l'incitation à amener de l'argent sur ces marchés avec un retour sur investissement faible au global, mais aléatoire parce que certains ont pu gagner énormément d'argent. Parce que quand ça marche, par contre, le multiple est énorme, mais quand ça échoue, très bas. Est-ce que ce n'est pas un peu comment dire, une dichotomie de dire le risque par nature, on ne peut pas gagner à chaque fois, donc il faut aussi prendre le risque. Peut-être du coup une question pour du côté du banquier, hein, alors le banquier, c'est peut-être pas forcément le terme exact, mais pourquoi avoir mis une offre spécifique pour les startups? Est-ce que vous les regardez, j'imagine, avec le même regard que les autres investisseurs? Quand une autre startup vient et qu'elle est en développement, quand il faut prendre du risque, est-ce que vous le prenez vraiment? Et si vous le prenez comment? Ah, bonjour, merci pour l'invitation et pour cette question. Alors déjà, je pense qu'il y a plusieurs choses effectivement sur le financement des startups. La première, c'est pourquoi on adresse ce segment-là. C'est déjà que c'est un segment d'avenir. C'est-à-dire qu'une startup, il y a start, mais il y a surtout up, justement, quand on le définit. Et c'est vrai que pour nous, l'objectif aujourd'hui en finançant des startups, c'est de pouvoir participer à la création de valeur et à la création de sociétés en fait, qui vont pouvoir demain créer de la richesse, créer de l'emploi et avoir une relation de long terme avec nous. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, la deuxième, comment nous, on intervient? On intervient à plusieurs niveaux. Le premier, c'est déjà de pouvoir bancariser les startups en centre d'affaires, donc avec des personnes qui ont l'habitude de traiter avec des entreprises PME, ETI, pour qui ont les mêmes problématiques finalement sur certains points que les startups. Concernant le financement, l'idée en fait, alors nous on a des garanties externes des pays France, qui je pense que quand on parle du financement des startups et également de l'investissement, oublier les pays France aujourd'hui, effectivement ce serait une erreur parce que ça représente quand même une grande partie des financements sur les startups. Nous on a une garantie de BPI France et également du Fonds européen d'investissement qui nous permet à la fois de limiter notre risque et de sortir un petit peu justement de notre casquette de banquier traditionnel en regardant en fait de manière prospective le potentiel d'une startup plutôt que de regarder ses ratios financiers historiques où effectivement une startup à son démarrage elle ne va pas être rentable dès le départ. Vous regardez vraiment la startup sous l'angle de l'innovation et pas juste sous l'angle des ratios? Bien sûr. Alors après, en fait, je pense que c'est deux choses qui se complètent. Nous, déjà, la première chose, c'est que effectivement, comme Arnaud le mentionnait, il y a quand même un taux d'échec qui est assez important sur les startups. Donc, nous, on va pas financer une startup sur une simple idée. C'est-à-dire qu'il va quand même falloir avoir démontré une certaine traction, donc avoir commencé à vendre un produit à des clients. Parce que nous, pour analyser le business plan, en fait, un business plan, il a une sensibilité qui est très forte en fonction du prix du produit qu'on va vendre, en fonction également du nombre de clients qu'on va projeter sur les prochaines années. Et finalement, le meilleur moyen de rationaliser, entre guillemets, un business plan, c'est d'avoir déjà des clients et des clients qui connaissent donc le marché et qui sont prêts à dire, d'accord, tel produit, je vais payer un prix donné qui va m'apporter des avantages, moi, pour mon business. Donc, nous, ça, c'est presque un prérequis. Et après, également, ce qui va être important pour Startup, c'est le capital disponible, on va dire. Donc, nous, c'est très rare qu'on intervienne seul aussi sur le financement des startups. En général, on intervient en parallèle d'une levée de fonds auprès d'investisseurs.
Je pense qu'à ce niveau-là, effectivement, aujourd'hui, les fonds de capital risque sont quand même très centrés à Paris. Et ce qui manque assez globalement en France, c'est peut-être des business angels qui ont déjà eu, on va dire, de nombreuses expériences dans ce domaine et qui ont revendu leur start-up. Et pour qui c'est important de contribuer à la création de valeur sur des nouvelles start-up. Ça, c'est vrai qu'on va en trouver à Paris. On en a aussi en région, mais beaucoup moins par rapport au foisonnement d'idées qu'on peut voir en local. Peut-être une question pour Cédric Messina, puisque avec MyCoach, vous avez levé des fonds en local, mais pas que. Vous êtes aussi présent à Paris. Peut-être un peu votre expérience justement des différentes phases de financement. Parce que vous êtes. Je vais vous le donner parce que. Une start-up, mais vous êtes déjà une start-up bien ancrée. C'est intéressant et effectivement, on pourrait en parler pendant des heures et rebondir sur chacun. Donc, ça pourrait tourner au débat. Je crois que ce qui est intéressant, je pars d'une anecdote parce qu'au moins, c'est factuel. Effectivement, nous, on a eu la chance de bénéficier d'un soutien fort en local, de fonds avec qui on est encore. Et à chaque fois, d'accompagner une progression sur le national. Donc, il y a une semaine, il y a un grand groupe, un équipementier mondial qui de New York nous a, donc on a fait un call d'une heure, et qui nous dit, vous êtes convoqué à telle heure, on veut vous rencontrer, vous faites partie des 3 meilleurs Européens sur cette filière du sport. C'est confidentiel, mais je vous le dis. Au moins, c'est très intéressant, je pense que c'est un postulat qui peut faire débat, et au moins avec une approche qui est hyper simple. Et il nous dit, voilà, vous allez lancer un produit avec l'UFA, vous êtes partenaire avec des fédérations, nous aujourd'hui, on cherche le leader sur le sport collectif, sur les outils numériques sport collectif. Et on a ciblé trois startups. Et en fait, au bout de 20 minutes, quand on a fait un pitch classique, ils ne voulaient pas savoir combien on avait levé, les contrats, tout ça, ils le savaient. En fait, ils nous ont dit, mais attendez, on vient vous chercher. Aujourd'hui, on veut juste savoir le ratio d'efficacité et comment nous, on va réussir à vendre des chaussures grâce à vous. Et vous comprenez tout de suite qu'on ne parle pas le même langage et qu'à un moment donné, on a une discussion d'entrepreneur. Et donc, ça s'est terminé. Ils nous ont dit, effectivement, c'est solide, mais pas encore assez pour viser la structuration à plusieurs dizaines de millions d'euros et de faire le leader, parce que nous, on cherche le leader. Donc, vous êtes dans les 3, 4, 5 potentiels en Europe, mais vous n'êtes pas encore le leader. Revenez dans 6 mois ou dans un an. Tout ça, c'est avec totalement beaucoup d'humilité que je le raconte, parce que ça veut dire qu'il y a des marges de progression et c'est hyper séquencé. Et quand on parle de start-up, moi, j'essaie d'évangéliser tous les jours sur le territoire en se disant, c'est dur, c'est compliqué. Il y aura peu d'élus. Et je crois que c'est ce message-là. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Ça ne veut pas dire que quand on a une idée, on ne le lance pas. Mais il faut aussi enlever cette pression sur les investisseurs. En vrai, ce qu'on doit aborder aujourd'hui, c'est quels sont le nombre de concurrents que vous avez dans votre filière ? Est-ce qu'il y a un potentiel à être le leader sur le marché français, à faire du chiffre d'affaires ? Est-ce qu'on ne peut pas accélérer sur la commande publique ? Parce qu'en fait, la preuve de marché se fait aussi sur la commande publique. C'est comment l'État peut aider les US, les financiers arrivent sur un second financement. Le premier financement, c'est souvent l'État ou les grands groupes qui ont cette culture en fait, qu'on n'a pas du tout. En fait, vous regardez, je pense que tout le monde peut l'avoir, la culture d'Orange, ils ont raté Zoom. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas cette culture de l'échange en se disant, tiens, on a plutôt une culture d'internaliser. Donc, vous avez un DSI qui a une vision passéiste et qui se dit, non, mais attends, ce que le jeune bouquet là vient me dire, je vais le faire moi. Donc en fait, c'est le dîner de compte permanent. Donc vous avez des investisseurs qui croient à une idée. Le jeune, souvent qui n'a pas d'expérience, vient avec son idée et il se fait spolier son idée 9 fois sur 10 par le connard du grand groupe qui se pense plus malin et qui en même temps revient dans les méandres de sa connerie et il aboutit à rien. Donc en fait, ça s'appelle polluer un marché. Donc on a un vrai problème culturel. Ça, c'est la première des... Et ça, personne n'ose l'aborder, mais effectivement, on a un problème culturel et vous avez des petits jeunes financés par des investisseurs qui se battent et en fait, qui n'ont pas leur chance et c'est un dîner de cons. Donc, on veut bien être les Jacques Villeray, mais à un moment, plus on est à le dire et plus on se dit, nous, on a une responsabilité d'entrepreneur, c'est l'emploi, c'est du chiffre d'affaires, mais à un moment, il faut prendre conscience de ce que chacun vit. Et plus on le dit, plus on va être bon. Et le deuxième, c'est une acculturation aussi en interne des startups elles-mêmes sur l'incompréhension de ce qu'on doit faire. C'est dur, il faut passer du temps. Il faut démarcher, il faut faire du chiffre d'affaires, il faut avancer, il faut se structurer. Et plus on a ce message-là en disant c'est compliqué, aidez-nous, et plus on va arriver à faire comprendre
la problématique qu'on a, la problématique, c'est que dans 10 ans, si on n'est pas bon sur la filière numérique, on va disparaître. Le CAC 40 aujourd'hui en France a 115 ans de moyenne d'âge. Le Nasdaq, les 15 premières boîtes valorisées aux US ont 15 ans. Donc soit MyCoach, nous on a 9 ans, soit dans 15 ans dans le sport, ben, on fera partie des gens qui font 100, 200, 300, 400, 1000 emplois, j'espère. Mais ou soit c'est toute une filière qui va disparaître et on va se paupériser et on se rendra compte qu'on aura un tissu industriel quasi néant. C'est-à-dire que dans chaque segment de marché, on est absent. C'est maintenant que ça se joue. En fait, c'est maintenant qu'on a besoin de structurer les filières. C'est maintenant qu'on a besoin d'y voir à 10 ans et d'avoir une vision à 10 ans. Moi, la première des choses que je dis souvent à la French Tech et aux politiques, c'est de dire, vous savez, la considération de cette French Tech Côte d'Azur, elle est pour les médias, elle est dans la cosmétique, elle est dans la sympathie, elle est dans la fête à Neuneu où on joue au billard et au ping-pong. Mais quand le préfet convoque en fait en plein Covid, on est d'accord, l'ensemble des filières, c'est-à-dire le syndicat de l'hôtellerie, le syndicat de l'industrie, etc., en aucun cas ils pensent à la French Tech ou au numérique. C'est qu'on n'existe pas en fait. Cette filière aujourd'hui, et nous on est aussi responsables, n'existe pas encore comme un poids économique de demain. Et c'est une des premières des choses à régler. Et une fois qu'on aura réglementé ça, c'est ce que disait Arnaud, assez justement par rapport par exemple aux agents immobiliers ou aux diverses filières normées par rapport à des permis de construire, nous on a besoin d'abord d'exister en fait. Et pour tout ça, il faut clarifier, il faut éviter qu'il y ait 50 associations qui fassent la même chose, il faut éviter qu'il y ait des coworking, des accélérateurs qui disent à tout le monde bah « Tiens, regarde, cette idée, tu seras champion du monde, c'est pas vrai. » Et en fait, c'est tout ça. Et souvent, je donne cet exemple, c'est comme si on passait dans tous les terrains de foot de gamins et on leur disait « Non, non, mais tu seras Mbappé. » Non, non. Aujourd'hui, sur 3 millions de gamins, il y a un Mbappé. Ben, sur 3000 startups, il y a un Blablacar ou il y a un OVH. Et c'est comme ça, et c'est cette évangélisation qu'il faut le dire. Et une fois qu'on aura clarifié cette filière de pensée, notamment et culturelle, derrière, on aura les investisseurs qui vont forcément pousser au train de cette construction, la plupart du temps, plutôt culturelle. Voilà. Témoignage très, très fin, et en tout cas, qui résume assez bien la problématique. Je suppose que David Bouquet, vous êtes parti aux États-Unis justement parce que besoin de carburant financier, donc vous êtes parti en Californie. Vous faites, j'imagine, le même constat. Est-ce que demain, un investisseur vous dit « on vous veut, vous venez vous installer aux États-Unis », est-ce que vous partez ? Alors, le sujet, on n'est pas parti, merci pour revenir là-dessus, on n'est pas parti en Californie pour chercher du cash, je pense que c'est une erreur, et j'ai vu pas mal de copains de start-up dire « ouais, je vais partir là-bas lever des fonds ». Les Américains sont tous sauf des mecs qui donnent de l'argent comme ça. Enfin, c'est le retour que j'ai pu avoir en pitchant à plusieurs événements et auprès de plusieurs VC. Le but, c'est déjà d'aller travailler là-bas. Nous, notre marché sur la gestion de communauté est énorme aux États-Unis, c'est un marché très communautaire. C'est pour cette raison qu'on est parti en Californie, juste avant le Covid, donc ce n'était pas le meilleur timing pour nous. Mais bon, c'est un choix, on a fait, on assume, et on va continuer d'y aller et d'accélérer ensuite. Les Américains sont complètement différents en termes de culture de ce qu'on a, nous, en France. Nous, en France, on est très frileux, on va attendre d'être sûr que ça marche, d'avoir des chiffres, des choses comme ça, pour pouvoir aller plus loin. Aux US, il y a vraiment une phrase qui m'a marqué, c'est les investisseurs là-bas, David, je m'en fous que tu fasses du chiffre d'affaires. Moi, je ne suis pas là. On n'est pas là pour investir dans des PME rentables. Nous, tu ne peux pas faire chiffre d'affaires pendant 5 ans, mais tant que tu montres une croissance de traction d'utilisateurs, de personnes qui viennent, on investira. Et le terme, on n'est pas là pour faire des PME rentables. Je pense qu'en France, il y a beaucoup d'investisseurs et de banquiers, mais ça, on en, voilà, qui, parce qu'ils ont des garanties, des choses comme ça derrière, nous aident. Et je remercie voilà, la CECAS de nous avoir aidés, financiers. Mais c'est vrai que sans ces garanties, sans ces... derrière, on n'aurait pas eu de financement ici. Faut être assez clair, ou alors c'est une fausse prétention qu'on pourrait avoir pour croire qu'on trouverait du financement s'il n'y avait pas BPI, s'il n'y avait pas le FEI, etc. Et donc aux US, ils ne veulent pas faire PME rentable. OK, c'est un premier truc. Et ensuite, l'image qu'ils ont du français, du petit français que j'étais, bon, avec notre advisor et avec notre équipe là-bas, c'était OK, vous avez joué, vous avez construit un château de sable en France, c'est vraiment un terrain de sable, un bac à sable. Mais qu'est-ce que vous êtes capable de faire sur un vrai marché ? Pour eux, la France, l'Europe a fortiori, c'est un truc vieillissant. Vraiment, c'est OK, ça n'existe pas. Ils sont très nombrilistes aussi, on va le dire. Mais c'est vraiment de dire OK. Et à partir du moment où on a fait notre preuve de marché là-bas, avec des bêta-testeurs, on sent l'engouement qui vient avec des moyens financiers qui ne sont pas du tout les mêmes qu'en France. Et avec aussi, ça c'est une autre question, mais avec un système de valorisation qui n'est pas du tout le même qu'en France. En France, à la fin, on va parler de valorisation avec les investisseurs. Ça va tourner à certains ratios, sauf les grosses boîtes parisiennes, et là aussi c'est un sujet entre les valorisations parisiennes et les valorisations en province, on a vu, nous, dans notre cas,
une belle différence aussi. Et donc, on se dit, OK, c'est un autre monde, c'est d'autres moyens financiers et avec d'autres enjeux qui sont clairement internationaux dès le départ. Alors qu'en France, on parle souvent, ouais, où t'en es sur le marché français? Là-bas, le marché, directement, il ne parle pas du marché américain, il parle du marché international tout de suite. Et ça, c'est une grosse différence et c'est pour ça aussi qu'on est là-bas, pour pouvoir avoir cette dimension internationale rapidement et avec ensuite, quand on aura fait nos preuves là-bas pour faciliter la conversation avec les investisseurs, pouvoir aller plus vite. J'aimerais bien avoir un retour alors je les appelle les investisseurs, mais Arnaud, Hugo, avoir votre vision de tout ce qui vient d'être dit. Et là, pour le coup, on a deux exemples extrêmement concrets. Arnaud, peut-être, oui, d'abord. Alors, je partage alors, deux visions. Enfin, il y a la première étape de Cédric. Par exemple, il dit, on a été sélectionné par une marque, etc., internationale, parmi les trois startups prometteuses. Mais c'est ce que je reviens au début sur l'amalgame du départ. Est-ce que MyCoach, c'est encore une startup? Je veux dire, 40, 50 salariés, on a passé un million de chiffre d'affaires. Alors, en France, c'est une startup. Je pense qu'à l'étranger, ce n'en est pas une. Ce qui, effectivement, change de méthode de valeur, la prestation du risque, les fonds qu'on peut adresser, etc. Pourquoi MyCoach serait une startup? Voilà, c'est 7, 8, 9 ans, tu disais, d'existence? Donc, 9 ans d'existence, 3 ou 4 levées de fonds, plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires, 40 salariés. Ce n'est plus une start-up. En France, il y a un amalgame entre le numérique et la start-up. On fait du numérique et une start-up. C'est deux sujets qui sont complètement distincts. Pour moi, MyCoach, aujourd'hui, devrait avoir accès à des fonds, à des financements bancaires privés ou à des industriels en tant que société quoi, traditionnelle, parce qu'aujourd'hui, ils sont dans le développement, dans la croissance, le financement semble être plutôt du BFR. Et c'est vrai que, là, on parlait de la région, ensuite du national et de l'international. Donc, en région, effectivement, on peut accompagner des startups. On a des fonds de taille régionale. Le problème, c'est que ces startups grossissent. Comme le disait David, même nous en France, même certains peut-être pas, mais on ne cherche pas la rentabilité. On sait que la valo sera ailleurs, notamment sur un nombre d'utilisateurs, la data, plein de choses sous-jacentes qui sont dures à valoriser en France. On ne sait pas valoriser. Donc, cette absence, cette difficulté à valoriser. Donc, les investisseurs le valorisent, le font un petit peu. Les industriels ne le font pas. Cédric le prenait à juste titre, mais à une taille comme MyCoach, le relais d'après doit être un industriel. C'est-à-dire que c'est devenu trop gros. Donc, en étape 1, c'est du régional. Les régions, les fonds régionaux doivent être là avec des outils et arriver à accompagner cette phase de démarrage. Étape 2, si elle devient grosse, c'est ce qui s'est passé sur MyCoach, des fonds nationaux, parce que les fonds régionaux n'ont plus la capacité à adresser et qu'on commence à être sur des levées à plus de 3, 4 millions d'euros. Les fonds régionaux ne sont pas capables. Ils ne sont pas capables parce que, comme on dit, la poche de risque doit être cohérente sur la taille des fonds. Donc, ils n'arrivent plus. Fonds nationaux, et je trouve que le blocage se fait après. Nos industriels français ont un blocage, comme dit Cédric, ils ne savent pas valoriser, ils ne savent pas comment, ils ne savent pas combien. Combien de fois ces boîtes-là sont adressées par des industriels étrangers qui ont l'air plus intéressés avec une vision du marché beaucoup plus internationale versus nos industriels avec une vision du marché français. Donc, effectivement, je trouve que le début de la chaîne est quand même sélectif, donc pas tout le monde est adressé, comme disait David. Il ne faut pas croire que parce qu'on fait une start-up, dans les 6 mois, on va lever de l'argent. Ce n'est pas vrai. Déjà, c'est long, ça prend du temps. Il faut convaincre. Et quand on est en levée de fonds, on travaille moins sur sa boîte. C'est quand même un message à faire passer. Mais les levées de fonds, c'est chronophage. C'est stressant pour les dirigeants. Donc, il faut être accompagné. Et ces boîtes qui sont en levée de fonds successives consomment du temps, de l'argent, de l'énergie sur ces sujets-là et sont moins dans le dev. Voilà, je pense que les process sont trop longs, trop marqués, hein, et on s'inclut là-dedans en France. Moi, je gère de l'argent pour compte de tiers. Donc, de toute façon, on est soumis à une réglementation qui est telle en termes de diligence, etc., qu'on ne peut pas se permettre d'aller aussi vite que ce qu'on pourrait aller. Ces boîtes-là vont peut-être trop vite aussi, et on est sur des niveaux de technicité qui ne correspondent pas non plus à nos investisseurs traditionnels. Voilà, le métier que l'on peut faire, nous, on est sur un marché de niche, on va être une centaine d'investisseurs avec des profils similaires aux miens en France. Très peu sont voilà, sur de la techno, etc., et sont finalement capables d'apprécier la boîte, le marché qu'on lui propose en face. Donc on a un problème moi, qui est structurel. On n'est pas calibré, formé et encadré pour faire ça.
Et pour arriver à le faire, il faudrait qu'on joue avec des sommes d'argent beaucoup plus grosses, constituer une équipe sur ce type de fonds, la former, la faire grandir avec le marché. En fait, le marché grandit plus vite que nos filières d'investissement, hein, qui prend du temps à se structurer, qui est un métier jeune malgré tout, hein, puisque en France, les sociétés comme la nôtre ont plutôt une vingtaine d'années, alors qu'aux États-Unis, peut-être 20, 30 ans d'avance sur nous. En fait, tout simplement, mais comme sur beaucoup d'autres choses, on a 20 ans de retard, je pense. Et le risque, c'est des boîtes comme celle de David, des innovations, des créations qu'on fait chez nous avec des personnes qui sont sur notre territoire et qui vont partir ailleurs. Mais à juste titre, c'est pas un reproche parce qu'on ne sait pas les adresser. Donc ces départs sont légitimes. Après, c'est, je pense, à l'État de construire des outils, des aides et de changer cette culture qu'on ne retrouve pas aux États-Unis. Comme tu disais, David, aux États-Unis, ils ne demandent pas des comptes. Ils vont travailler sur l'innovation, sur la technologie, sur la création. Donc, ils vont par exemple discuter avec le créatif de la boîte. En France, on fait une collecte, on discute avec le financier. Cédric, je ne sais pas ton niveau d'exposition sur tes collectes respectives, les gens te parlent forcément, tu tiens le produit, mais j'imagine que tu fais ta négo en tant qu'actionnaire, mais derrière, les diligences se font sur ton PNL, alors que demain, elles devraient se faire sur ton logiciel. Je pense que voilà, la manière d'appréhender et d'approcher aujourd'hui n'est pas la bonne. Pour autant, voilà, pas de baguette magique non plus. Je pense qu'aux États-Unis, l'Américain est capable aussi de le faire en tant que personne physique. Il faut savoir qu'une grosse partie des investissements sont faits par des VC, mais une énorme partie est faite par les ménages français. On parle de 100 milliards d'euros placés sur les assurances vie entre mars et fin juillet, alors sur l'argent des Français. Donc, c'est 2 fois et demi supérieur à ce qui se fait en temps traditionnel. Donc, le français est vieillissant, comme tu disais, sur les boîtes du CAC 40 et n'a pas cette culture de l'investissement. Et ne le fait pas. Donc l'argent n'est pas fléché au bon endroit. Et si des sociétés comme la nôtre n'ont pas les fonds, on ne peut pas le faire. On va se former, on va créer des équipes, une dynamique. Donc il faut arriver à flécher l'argent au bon endroit. Ce qui n'est pas fait, hein, ce qui n'est pas fait aujourd'hui, clairement. Quand je vois 100 milliards sur 6 mois sur des assurances vie, on tourne à 14-15 milliards par mois d'euros. Donc le français aujourd'hui économise le plus gros épargnant d'Europe de manière générale. Particulièrement en ce moment, et ça n'existe pas. Aux États-Unis, les gens sont plus joueurs, font des paris, mettent en risque, développent leur économie, sont plus chauvins aussi sur leur pays, ce qu'on ne retrouve pas forcément ici. Une boîte française qui part aux États-Unis, je pense que c'est de coutume et ça émeut personne. Tu viens de le dire, David, que tu l'as fait. Aux États-Unis, si ça arrive, c'est un drame. Donc ils font tout pour que ça n'arrive pas, pour ne pas passer à côté de la pépite. Voilà. Et en France, on n'a pas cette culture. Je pense que c'est les mentalités qu'il faut changer, mais du premier au dernier. Parce que placez-vous, vous, en investisseur privé qui placerait de l'argent chez moi, par exemple, et qui me le confierait. Est-ce qu'aujourd'hui, vous viendrez placer de l'argent sur un de mes fonds qui va racheter un hôtel 5 étoiles, qui va vous faire une rentabilité à peu près sécurisée, certaine, avec du foncier, un bâtiment, un chiffre d'affaires avéré? Ou est-ce que vous viendrez placer sur des fonds sur lesquels le risque est beaucoup plus élevé, le rendement peut l'être aussi, comme il peut être beaucoup plus bas. Qu'est-ce que vous ferez? Je veux dire, faut que vous posiez la question aussi vous-même en tant que personne, parce que enfin, je pense que l'argent aujourd'hui se trouve ici. L'État fait déjà beaucoup d'efforts dans cette période post-Covid. Je pense que ce n'est pas lui demain qui abondera sur les fonds. Donc la seule façon de faire aujourd'hui, c'est d'arriver à attraper l'épargne des Français et de leur faire prendre conscience et confiance dans cette chose-là, mais moi je serais intéressé de savoir si vous, demain, vous aviez 10 000 euros d'épargne à placer cette année, sur quoi vous la placerez? Pardon, je me permets de répondre. J'ai fait cet exercice-là, je me suis posé la même question. Et par exemple, j'ai mis 70%, après c'est peut-être la caractéristique d'entrepreneur, mais j'ai mis 70% sur des actions à risque cotées au Nasdaq notamment. Et j'ai mis 30% sur des trucs plus pérennes pour ma part. Mais je sais que parmi les personnes autour, et ta question est tout à fait légitime, parmi les personnes autour à qui je posais la question, c'est tout l'inverse. Et même certains, c'est 0% sur les trucs à risque. Non, 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 j'ai de l'assurance vie. Voilà, je préfère maxer mon livret A, etc., à 0,5% par an. Au moins, ça ne bouge pas. OK. Chacun son. C'est vrai, mais vous êtes peu et toi tu es dans ce métier, donc tu as cette culture personnelle, mais si tu fais le test autour des 20 personnes les plus proches de toi, je pense que tu en as 19
parce qu'on a l'économie. 15% et qui s'amuseront avec 500 euros sur leurs 10 000 euros. Il y aurait une notion plus risquée. Et le drame, c'est ça aujourd'hui. Cédric? Là, je voulais dire qu'il a, il a pointé du doigt quelque chose d'essentiel, c'est que tu mises sur des... Tout le monde est dans les paris. Aujourd'hui, le pari est rentré dans tous les trucs. Donc là, tu parles de paris et sur du spéculatif. Et en fait, aujourd'hui, personne ne mise sur un marché où il n'y a pas de success story, clairement. Et que tant qu'on n'arrive pas à faire germer des entrepreneurs de renom et qui pérennisent leur modèle économique, on restera sur du spéculatif et du très fragile. Et en fait, ça se joue là-dessus. C'est que sur la Silicon Valley, je le dis souvent, mais la Silicon Valley, c'est Jobs, c'est tout ce que vous voulez, on pourrait la citer. Mais en aucun cas, c'est l'accélérateur qui a fait Steve Jobs, c'est le politique qui a fait. Personne ne, on connaît plus aujourd'hui Zuckerberg que le maire de Los Angeles ou que le maire de Palo Alto. Alors aujourd'hui, c'est simplement l'entrepreneur, si on veut ancrer cette filière, qui doit reprendre la main. Mais c'est surtout une main, pour moi, structurée, structurante. Et là, les investisseurs miseront sur des filières et sur des gens sérieux. En fait, la réponse, est-ce que ce cercle vertueux, on arrivera à le changer? Arnaud a entièrement raison là-dessus. C'est que plus… Les têtes de gondole aussi, comme tu dis. Aujourd'hui, aux États-Unis, les plus grosses cotations boursières sont des sociétés plus orientées sur le numérique avec des hommes forts, des têtes de gondole qui ont une influence majeure. Parce qu'en France, on ne voit pas. Ben, regarde le CAC 40. Et... Ah, tu parles de souveraineté, à juste titre. TikTok est l'exemple, et je pense que vous allez tous rebondir là-dessus. TikTok, aujourd'hui, c'est simplement le président des US qui réagit aux géants de la Silicon Valley, qui dit, Bob, on ne va pas perdre le marché, et j'utilise en fait le bras armé juridique et étatique pour empêcher et conserver une souveraineté. Souveraineté numérique égale puissance. Nous, tous les jours, aujourd'hui, tu ne vois aucune protection. C'est-à-dire que tu as des marchés qui se perdent. Je pourrais en parler, hein, mais l'histoire du stop Covid avec Microsoft et OVH, ça n'a pas bougé l'oreille d'aucun Français. Ce qui est inenvisageable, c'est qu'on n'a pas vu de prise de position en disant ça sera OVH ou ça sera X ou ça sera… Tous les jours, vous voyez les startups françaises et un marché qui est pénétré par les étrangers sans que personne ne bouge. Je pourrais vous en parler, mais je vais prendre beaucoup de temps, nous, autour des JO. Mais on va dire que c'est un cas personnel, donc je préfère utiliser des exemples que tout le monde connaît, mais réellement, on est faible. C'est-à-dire qu'au niveau du protectionnisme, culturellement chez les Français, protectionnisme égale repli sur soi, égale, c'est un côté négatif. Et ça aussi, c'est culturel, c'est faire changer. Si on veut que des startups passent ce cap-là, il faut les aider, il faut qu'on soit fiers d'elles, mais en même temps, il faut qu'on monte le niveau d'exigence. Et là, on arrivera à bénéficier d'un élan au niveau des investisseurs qui iront sur le capital risque si tu as des bons exemples de taux de rentabilité. Parce que ça reste ça, c'est est-ce que je peux récupérer mon argent et est-ce qu'aujourd'hui je vais gagner, j'ai des TRI qui sont suffisants. Oui, mais il faut qu'on les mette en avant aussi. Après, je pense qu'il y a un complexe français qui est identifié aussi dans le sport, partout. Bon. Je voudrais juste avoir la réaction de Hugo, justement, notamment sur… Alors, ça a été un sujet qui a été évoqué, il me semble, au moment de la campagne présidentielle où il y avait… aujourd'hui, ce qui s'appelle France Invest, qui avait demandé justement à ce que l'épargne des Français soit fléchée vers le capital risque. Mais Hugo, voilà, flécher l'épargne de vos clients vers les startups, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait justement aider à combler ce manque ou en tout cas essayer de… On parle beaucoup d'écosystème, hein, je sais que ça devient aussi un mot un peu galvaudé, mais est-ce que justement, ce n'est pas aussi le rôle de l'écosystème de jouer le jeu et de jouer le jeu de retenir les entreprises sur le territoire? Effectivement, flécher aujourd'hui l'épargne des Français et même enfin, plus globalement, je pense que sur la technologie, il faut raisonner même au niveau européen sur l'innovation. C'est un sujet important, mais ça, effectivement, c'est culturel et c'est quand même profondément ancré dans la culture française, l'aversion au risque. C'est vrai que nous, en France, on préfère investir sur de l'immobilier, des choses comme ça, plutôt que sur des startups. Après, je pense que même au-delà du côté investissement, il y a le côté utilisation. C'est-à-dire qu'on peut prendre un exemple, hein, par exemple, Viadeo et LinkedIn. Viadeo existait quand même avant LinkedIn, mais finalement, qu'est-ce qui a fait la puissance de LinkedIn? C'est qu'ils ont été créés en Californie, et en Californie, tout le monde essaye constamment des nouvelles choses, des nouveaux produits, des nouveaux services. Et c'est vrai que je pense que c'est aussi pour ça que les Américains ont une vision
de la France et de l'Europe comme d'un marché vieillissant, c'est au-delà des moyens fléchés en termes d'investissement, il y a aussi la capacité, enfin la traction aux États-Unis peut aller beaucoup plus vite que ce qu'on peut avoir en France. Et finalement, on le voit avec, voilà, avec les Facebook, avec beaucoup de services comme, comme les Google ou même Zoom qu'on utilise actuellement. C'est vrai que finalement, c'est des startups qui vont avoir la capacité de grandir très rapidement aux États-Unis parce que la mentalité des consommateurs et la mentalité même de consommation est différente de celle qu'on peut avoir en France. Après, sur le financement et l'investissement, aujourd'hui, je pense qu'effectivement, à partir du moment où on a franchi un cap pour une start-up en France, il faut aller effectivement dans un premier temps à Paris, parce que c'est là que sinon on a pu faire des fonds d'investissement de venture, mais également à l'étranger. Comment remédier à ça? Je pense que, par exemple, en décembre dernier, on a accueilli chez Caisse d'Épargne le France Digital Tour, où l'objectif, c'était justement de mettre en relation des investisseurs, pour la plupart parisiens, avec des startups régionales. Donc, je pense que c'est aussi, effectivement, créer un fonds en local sur l'investissement startup, c'est pas forcément évident et c'est pas efficient, parce que le fonds va avoir effectivement une durée de vie, par exemple, de 8 ans. Il faut avoir un nombre d'opportunités aussi important. Enfin, un fonds, il faut qu'il reçoive un certain nombre de dossiers pour avoir un taux de sélectivité important et pouvoir bénéficier par la suite de rendements qui peuvent être réellement. Et si on fait un fonds régional sur un marché qui est, entre guillemets, est trop petit, ça n'a pas forcément un intérêt. Donc finalement, je pense qu'il y a aussi simplement de faciliter la communication déjà dans un premier temps au niveau national entre les startups et les fonds d'investissement nationaux, et nationaux thématiques également, parce que, comme le disait Cédric, le fonctionnement en filière, je pense, est capital. Parce qu'une filière, il y a des investisseurs, il y a des grands groupes qui sont derrière, qui vont, un, pouvoir être les premiers clients, effectivement, de la start-up, et deux, pouvoir apporter aussi des moyens financiers, des connaissances, des compétences, des moyens de recherche à la start-up pour travailler main dans la main et finalement développer des vraies solutions. Et encore moins que sur des fonds généralistes Venture Capital, créer des fonds thématiques en région, c'est très compliqué. Donc, je pense qu'il faut effectivement favoriser les échanges, créer des contacts. Nous aussi, par exemple, on est investisseur dans plusieurs fonds de Venture Capital, par exemple. Et l'idée, c'est aussi de faciliter le contact avec les startups qui financent, de pouvoir faire une sorte de présélection en connaissant la thèse d'investissement du fonds et le business, le modèle économique de la start-up en finance, de pouvoir dire, voilà, regardez ce dossier parce que de la connaissance qu'on a de l'un et de l'autre, on pense qu'il peut y avoir un match intéressant. Et je pense que ça commence aussi par là. Après, il y a une chose aussi, c'est qu'il ne faut pas forcément copier, entre guillemets, le leader, c'est-à-dire aujourd'hui les États-Unis ou même demain la Chine. Je pense que ce qui est important, c'est de savoir aussi capitaliser sur nos forces. Et c'est quelque chose dont on prend conscience aujourd'hui avec toutes les initiatives sur la deep tech, où effectivement, on a un monde de la recherche qui est quand même très performant. On le voit avec les grosses avancées dans les classements de Shanghai, dans le nombre d'articles internationaux qui sont publiés en recherche. Et la difficulté, c'est aussi d'arriver à relier cette recherche fondamentale avec des modèles économiques. Et je pense que ça, c'est également quelque chose sur lequel on doit encore beaucoup travailler, parce qu'en France, entre guillemets, on invente pour inventer, alors qu'aux États-Unis, on invente pour faire du business. Et je pense que ça, une fois de plus, culturellement, il faut qu'il y ait une évolution et il faut qu'on évolue là-dessus. Alors, ça fait réagir, oui, David et Cédric. Il y avait Arnaud, je crois, avant qui disait réagir. Non, juste deux remarques. Moi, ce que je voulais dire par rapport à ce que disait Hugo au début, c'est que c'est vrai que nous, on crée des produits qu'on met à disposition de distributeurs banquiers. On travaille en l'occurrence avec la CCAS, par exemple, mais que le choix final appartient encore une fois à la personne physique. C'est-à-dire que nous, on peut créer un fonds start-up, on peut le donner à la distribution à la CCAS, mais si le client final n'en veut pas, on ne lèvera pas.
Donc, c'est lui qui décide. Et si peu de produits sont créés en ce sens, c'est parce que derrière, les distributeurs, y compris les banquiers, ont du mal à les vendre. C'était ma première remarque. Et la deuxième, c'était sur ce complexe français dont on parlait tout à l'heure. On parlait de Zoom, etc. Mais la France ne protège pas et n'incite pas à la réussite de ses propres entreprises aussi. Zoom, on l'a tous utilisé en début de confinement. Puis, je ne sais pas ce qui s'est passé chez vous, mais tous les gros groupes l'ont ensuite fermé parce qu'il y avait finalement un risque de virus, etc. Et on se met à utiliser Skype et d'autres outils. Alors plutôt que de trouver une solution, le résoudre, mettre des moyens pour que, vu qu'on savait que ça allait durer, ça puisse continuer à être utilisé, tout le monde a basculé. Et je prends une référence sur une boîte niçoise aussi, c'est un peu la même chose pour Quant. Quant, qui est finalement un concurrent au gros Google, etc., est-ce que toutes les grosses entreprises françaises, par exemple, utilisent en moteur de recherche Quant ou Google dans leur boîte? Alors, nous, on a migré Quant, mais on est une toute petite entreprise française, mais pourtant, elle représente une part de marché significative en s'attaquant à un énorme du marché. Je pensais plus qu'une start-up, mais il est peut-être encore considéré comme tel. Et on n'a pas de pression, de lobbying politique français au haut niveau pour forcer, pousser nos entreprises françaises à faire travailler un outil français qui marche aussi bien que un outil américain. David? Oui, je voulais rebondir sur plusieurs choses. Non, tout à l'heure, Cédric parlait du protectionnisme, on avait une mauvaise vision de ça. Moi, c'est vrai que ça m'avait choqué le fait que le ministère choisisse de mettre tous ses serveurs, un ministère, je ne sais plus lequel, chez AWS. Alors qu'on a quand même OVH qui a été fait, j'ai dit, OK, il y a un petit souci à ce niveau-là, enfin, je n'ai pas compris. Viadeo, LinkedIn, on en parlait, moi je trouve ça super comme exemple. Viadeo avait pignon, entre guillemets, sur rue en France, et du jour au lendemain, LinkedIn appuie sur un bouton, on va lancer la France et Viadeo disparaît. Ce qui montre bien la différence déjà deux choses pour moi, la différence de puissance entre une entreprise aux US qui dit je vais lancer et qui en appuyant sur un bouton, bah, fait couler une boîte française qui pourtant avait pignon sur rue ici, et le fait de dire que le marché français, ce n'est pas une fin en soi. Moi, j'ai rencontré plusieurs investisseurs, des BA il y a quelques années, des fonds maintenant, qui disaient, ouais, attends, l'international, calme, déjà développe-toi en France, tu vois, c'est un gros marché la France. Non, la France, c'est un tout petit marché. Si on s'arrête en France, Cédric n'a pas attendu d'avoir toutes les fées des Françaises avant d'aller voir à l'étranger. Et c'est exactement ça. Cédric, tu se coules la tête, tu seras mieux amené que moi pour en parler, mais il faut voir la France comme un début de marché. Aujourd'hui, grâce à Internet, grâce à ce qu'on a, on se limite plus à la ville dans laquelle on est, à la région. C'est tout de suite international si on a des produits numériques. Et dernière chose, pour rebondir sur ce que Hugo disait, on a une super recherche en France. Oui, certes, peut-être, mais dès qu'on a une invention sur une recherche en France, elle se fait racheter. Juste à côté, à l'INRIA, à Sofia, j'ai eu un de mes profs qui avait créé une boîte dans la photo, même pas à 3 ans, il n'avait pas lancé de produit, il avait juste trouvé la techno, il se fait racheter par Apple 30 millions. OK, super. Shine, c'est une super réussite française, mais directement, ils se font racheter par un grand groupe, 100 millions. Où est-ce qu'elle est l'ambition française derrière de dire « OK, on devient international, OK, on se développe ». Ça, c'est mon point de vue. Si on me propose 100 millions pour Winity demain, je ne dis pas que je refuserais. Mais je dis juste que c'est vrai, pourquoi aux US, ils vont aller très loin, très haut et chercher à aller plus loin, et nous, on devrait toujours se limiter à dire « Non, on est français, on va rester en France, on va garder notre niveau sans chercher à aller plus loin ». C'est là où moi je vois une grosse différence de mentalité d'abord, et ça revient sur ce qu'on parlait avant, de culture de mentalité, et aussi des actions derrière qui sont mises en place concrètement lorsqu'on parle de rachat, lorsqu'on parle d'entreprises US qui viennent sur le marché français et qui disent hop, on va signer l'acte de mort d'une boîte française qui était là parce qu'on est plus fort avec le pouvoir financier, etc., qu'on a dans d'autres domaines. Enfin, c'était juste les trois rebonds que je voulais faire sur les différents sujets. Moi, si je me permets de rebondir, je suis d'accord et pas d'accord. Et c'est surtout que on a un problème, c'est que les Américains vont vite quand un marché est mature, en fait. La problématique, c'est est-ce que je ne dois pas aller aux États-Unis, pas aux États-Unis, en Asie ou pas en Asie. C'est surtout, il faut que j'investisse massivement quand le marché est mature et je peux faire une croissance forte et rapide. Le différentiel est là. Souvent, on oublie de se dire qu'Amazon a été d'abord leader aux États-Unis sur le livre, après sur l'e-commerce, après sur le cloud par rapport aux data qu'ils avaient, etc. Et après, ils sont allés 20 ans après à la conquête de l'Europe. Mais ils y sont allés quand nous, on était prêts à acheter en ligne, etc. Et c'est souvent ce dosage-là qui nous manque. Moi, le premier, effectivement, on est allé en Chine de partout, mais c'est le moment où on a compris que
on voyait la manière dont ça se passait, qu'un marché du sport n'est pas mature du tout et qu'il fallait d'abord être le leader sur son marché domestique. Et Fertile aborde en disant que c'est créatif. C'était que dès que tu as 60-70% de ton marché, tu es assez mature pour faire la preuve de ton concept et le déployer. Et ça peut aller très vite, notamment dans la biotech, mais ça peut prendre du temps dans les services. Et je crois que c'est une question de… On a tous en mémoire le patron d'Airbnb qui a pris son sac, alors qu'Airbnb avait levé plusieurs dizaines de millions d'euros, et qui est allé voir comment ça se passait dans le monde entier, les concurrents, etc., avant de redimensionner sa startup, qui est devenue le leader mondial. Je crois qu'il n'y a pas d'école. Il y a surtout constamment essayer de concert ce qu'on est en train de faire. Les investisseurs parlent aux startups, aux politiques, aux institutionnels, qu'on évangélise et qu'on avance ensemble. Je crois qu'on a ce seul argument-là, c'est ce ciment de l'efficacité, de l'honnêteté. Moi, je suis élu à la CCI, première commission numérique, je suis élu au numérique, j'aborde avec le responsable d'un grand groupe français, sans le nommer. Et en fait, je pose une question, je dis combien vous avez investi, puisqu'on vous voit de partout, là, combien vous avez investi sur la Côte d'Azur ? Donc, réponse politique, oui, non, je pense que je ne suis pas assez clair. Combien vous avez investi sur la Côte d'Azur ? Et au bout de 4 fois, il était très gêné. Je dis, t'as pas à être gêné, c'est 0. Pourquoi ? Il me dit, parce que tous les investissements sont à Paris. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand je leur fais remonter des dossiers, ils me disent que les dossiers ne sont pas bons. Et en fait, la discussion, je dis, cette discussion me plaît. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on devrait être. On devrait être élever le niveau d'exigence. Mais par contre, quand les startups ou l'entrepreneur passe ce niveau d'exigence, on devrait tous se mettre derrière et en faire le produit phare. L'exemple de Viadeo LinkedIn, on en revient à l'exemple de aucun soutien politique, culturel ou même des consommateurs, ce que disait Arnaud sur Quant. C'est qu'à un moment donné, ça doit être un élan général. Vous allez en Italie, personne n'imagine ne pas prendre l'italien. C'est comme ça, ils naissent avec ce sentiment-là. Nous, on a besoin d'être la veille de la finale de la Coupe du Monde pour que tout le monde mette le drapeau français. C'est le résistant français, c'est le 7 mai, hein, c'était pas en 39 qu'on allait dans le maquis. Et je peux vous dire que culturellement et économiquement, ben, on n'est pas loin de vivre la même chose. Donc, il n'y a qu'une chose, c'est prendre le maquis, essayer d'être honnête, essayer de se battre, de trouver des gens, investisseurs, etc., qui pensent pareil, et d'aller à la lutte pour essayer d'exister au niveau français. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Alors, effectivement, au début, ça trouble un peu le message, mais après, tout le monde, vous savez, tout le monde est assez d'accord là-dessus et se retrouve. Et plus on a une équipe forte, et plus on est costaud, et plus on arrivera à faire germer un écosystème fertile. Mais il reste que ça. En tout cas, d'année en année, je vois que les médias, on en parle assez souvent, sont en train de changer de vision, clairement. Et on arrive à aborder les mauvaises choses, on arrive à aborder la problématique de la filière et non pas la prochaine idée du siècle où derrière il n'y a plus rien. Ce qui a fait la plupart du temps, ce qui a fait mal aux startups, c'est ces articles où on dit c'est le futur, LinkedIn, c'est le futur, où derrière il n'y a plus rien. Et ça, on est plus crédible à partir du moment où on n'arrive pas à être à la hauteur de l'engagement médiatique. Et moi j'essaye, et nous on essaye de rester le plus collé à ce qu'on est dans la difficulté, mais en même temps dans le potentiel derrière. Et on en parle assez souvent avec Arnaud, avec les financiers, avec les banquiers. Et je crois que là, le point positif, c'est qu'il y a même tout un écosystème qui se rend compte de ça et qui est tous ensemble. Et je crois que la seule réponse, elle n'est pas aux nations, mais elle est en local. Et je crois que si en local, on arrive à être tous ensemble, eh bien, on pourra utiliser cette vision et cette énergie-là pour les autres et notamment pour faire germer une filière française digne de ce nom. Alors, j'ai 2 questions. Je vais vous demander d'être assez rapide parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Mais l'annonce de l'injection de 7 milliards d'euros via la filière numérique dans le plan de relance, est-ce que c'est une si bonne nouvelle que ça alors ? C'est bien, c'est pas bien, c'est pas suffisant, c'est anecdotique, c'est de la cosmétique pour reprendre le terme de Cédric tout à l'heure. Cédric, peut-être ? Après, peut-être David aussi. Moi, j'ai beaucoup parlé, je vais laisser… Alors, David ? Non. J'ai très peur des annonces, en fait. Parce que tous les jours, vous avez votre LinkedIn, c'est 500 millions pour l'emploi, c'est 2 milliards pour l'audiovisuel, c'est 7 milliards pour les intermittents. Et en fait, je crois que ça fait peur. Et c'est 60 millions sur les masques, c'est 400 millions. Et en fait, c'est le jeu des millions qui font perdre conscience des besoins, de la difficulté, de décisions rapides. Parce que souvent, quand on annonce ça, c'est jusqu'à 2022. Mais qu'est-ce qui se passe entre-temps ?
Moi, les premiers, sur l'annonce du week-end, j'ai eu 10 startups qui m'ont appelé. On a un groupe, des startups un peu matures dans le sport. Oh, il y a 9 millions, qu'est-ce qu'on fait? On s'organise comment? Mais il n'y a pas de date, il n'y a pas de vision. Et souvent, on n'y voit pas grand-chose parce que le filtrage se fait différemment. On parle de RH, on parle de… ça manque de visibilité. Donc, je suis très préoccupé. Au final, c'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi. On parle de somme d'argent. Et nous, aujourd'hui, le message qu'on veut faire passer, c'est un problème de mentalité. Donc, c'est bien, il y aura 7 milliards, c'est une opération coup de poing. Ça va peut-être servir à quelques entreprises, pas à d'autres. Et après, si on ne change rien, est-ce qu'elles vont réussir? Est-ce qu'on est capable de porter sur le devant de la scène des start-upers, entre guillemets, en tout cas des dirigeants formatés comme ça, comme disait Cédric, quand tout le monde a été réuni, personne représentait ce corps de métier, de profession, qui pourtant a une place importante, puisque pour le coup, les chercheurs français sur certaines technologies sont connus et reconnus. Donc, ce n'est pas une question d'argent. Il y a moins, l'argent va servir à se déployer, mais si on ne change pas les mentalités de façon durable, le problème perdurera et ce sera un coup d'épée dans l'eau. De toute façon, ça empêchera peut-être que le modèle tombe aujourd'hui. Ça fait de l'annonce, ça donne du positif, mais ça ne résoudra pas le sujet pour moi. David, et après, la dernière question. Je suis comme ça, Thomas, j'attends de voir pour le croire, et peut-être que ça servira à certains et tant mieux, mais avant que ça arrive à notre niveau, et là je rejoins ce que disait Cédric, c'est vrai qu'on a des chiffres, ok, voyons ce que ça va être concrètement pour nous au quotidien, pour les autres startups ici au village, pour les autres startups de partout et en région et pas qu'à Paris. Ça aussi c'est un truc, souvent on retrouve toujours les mêmes startups. Moi quand je vois, j'ai rencontré une boîte qui fait du textile, que du textile, qui se retrouve dans le top 40 des boîtes tech françaises, machin. Je dis, bon, attendez, il y a un petit souci de compréhension là. Pourquoi c'est dans le top 40 des boîtes tech françaises alors que cette boîte-là, elle est super, elle a pignon sur rue et tout, mais elle ne fait que du textile. Donc, il y a un peu un problème de peut-être de copinage ou autre, je ne sais pas. Je m'en appelle un chat. Pardon ? Je vois de qui vous voulez parler. Ah bah oui, tout à fait. Mais je connais très bien le fondateur qui est super, qui m'a aidé et tout. Mais c'est vrai que c'est insensé. Donc, quand tu fais des slips, tu n'es pas dans le top tech, dans le top 40 des techs. C'est pas normal. Il y a un problème quelque part sur le. Voilà. Et si les fonds vont de même manière qu'à Paris ou que sur certaines boîtes, c'est pas, voilà, ça ne servira pas à tout le monde. Et ce n'est peut-être pas le but. Hein. Je ne sais pas si c'est le but, mais en tout cas, pour nous, voilà comment je le prends. Alors, dernière question pour tout le monde. Je sais à quelle référence vous faites. Il y a eu le Next 40, il y a le FT120 qui est porté par la French Tech. Et on essaye justement de mettre les fameuses licornes. Donc, est-ce que devenir une licorne en France aujourd'hui, est-ce que c'est impossible? Est-ce que c'est mission impossible? Cédric? Allez, allez. Non, parce que ça voudrait dire qu'on peut aujourd'hui aborder les difficultés sans être négatif. Sinon, on arrêterait. Et que veut dire licorne? Parce que maintenant, licorne, c'est déjà, si on arrive à créer des boîtes leaders sur leur filière, le meilleur dans le développement durable, le meilleur dans l'e-commerce, le meilleur, etc., etc., 3-4 acteurs qui se structurent, je crois qu'il y a une première étape. Avant de se dire je gagne la Coupe du Monde, il faut déjà que je joue régulièrement au plus haut niveau. Et je crois que sans se mettre trop de pression, si on commence tous à jouer au plus haut niveau, qu'on a réussi aussi à diffuser ce message à grande échelle, on est quand même reçu lundi par le président de la République, qui a les 12 présidents de French Tech. Des capitales sont reçues par le président lui-même, qui vient passer le message, qui a demandé que chacun, en une minute, exprime son ressenti. Et donc, il y a quand même une prise de conscience générale. Et comme il y a une prise de conscience générale, il y a des besoins, il y a des gros événements. Je suis hyper clairement positif là-dessus. Et de manière, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce que déjà qu'on a reculé, déjà qu'on est la 7e puissance, on sera peut-être la 20e puissance et on fera comme les Coréens du Nord, on ira faire des perruques ou quoi pour vivre. Donc, une fois qu'on se rend tous compte de la difficulté de la tâche, on peut être que positif parce qu'on va construire ensemble et c'est cool. Ce type de débat, je pense, n'avait pas le même ton et tu peux en témoigner, il y a 3, 6 mois, 1 an, 2 ans. C'était du pur, chacun vendait sa sauce et ça s'arrêtait là. Moi, j'ai pris ça, ce challenge, et j'ai l'impression qu'on a tous la même vision. C'est ça qui est tip-top et qui est ultra positif. Je pense que le jour où on arrête d'être optimiste… Pardon, excuse-moi, Laurence. Non, allez-y. Le jour où on arrête d'être optimiste, on arrête de faire ce qu'on fait, hein, très clairement. Sinon, c'est avec les enjeux qu'on a, l'ambition qu'on a et les problématiques au jour le jour de gestion de croissance qu'on peut avoir, on ne continue pas à faire ce genre de choses. Pour répondre à la question sur la licorne, pour moi, licorne, OK, c'est un chiffre, c'est des boîtes qui valent plus d'un milliard. Mais
ça vaut plus d'un milliard. Pourquoi? Parce que ça répond à un besoin, parce que ça croît, parce que ça a des utilisateurs, donc ça sert déjà. Et ça, pour moi, c'est la raison de base, c'est donner du sens à ce qu'on fait. Je peux avoir un super produit, mais si c'est un truc qui ne sert à personne, ou c'est juste parce qu'il y a marqué, il y a un fou qui a voulu injecter 200 millions chez moi, mais que ça ne vaut rien, ça n'a pas de sens. Le but, c'est de dire, OK, est-ce que je sers à quelque chose? Est-ce que ma boîte sert à quelque chose? Répond à un besoin, aide des gens, ou ça sert à quelque chose, quoi, tout simplement. Et le jour où on arrivera, et là je repousserai, le jour où j'arriverai à travailler avec Cédric sur certains points, où j'arriverai à travailler avec d'autres, où on se mettra ensemble justement pour construire des choses et être plus fort ensemble que de chercher à se tirer dans les pattes, je pense qu'on aura tous réussi pour aller plus loin plutôt que de chercher à faire chacun notre truc dans son coin. L'exemple de Cédric, c'était juste un exemple, hein. C'est juste parce que voilà, on est tous les deux là-dessus. Très bien, merci. Alors le temps imparti est terminé. Merci à tous les quatre. Merci pour les échanges qui ont été musclés, qui ont été surtout très en réel avec ce qui se passe sur le terrain, pour reprendre l'expression favorite de Cédric Messina. Nous, on se retrouve demain à Marseille avec un sujet sur l'open innovation. Merci à tous et à bientôt. À bientôt, merci. Merci. Merci.